est-ce que si je suis pas aux États-Unis, je ne suis pas mon. Est-ce que si je suis pas aux États-Unis, je ne suis pas réussir? Guerrier, m'abdou ça. Bien haïtien qui a coûté là. Tek en Kaikos. Ou mettre pays, y aller aux États-Unis, y aller visiter. Mais vous pas intéressé à aux États-Unis. Y a vivre bien. Et m'abdou on bagaille. Moun qui te gen plus kob nan Tek en Kaikos, c'est ton haïtien. Nan ki salte, nan construction te l'autre bois. Gen haïtien, Guyane qui aux États-Unis. Là, il visite, il tourne. Mais il n'y a pas États-Unis. Ça veut dire que complexe d'infériorité là, kay moun sa yo. Et tout le temps, il a parlé tout même sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il n'y a pas de diaspora, il y a un pile qui va mentir tout. Il y a un pile qui va faire mentir. Qui ne veut pas connaître si on est anti, qui ne veut pas connaître si on est Martinique, qui ne veut pas connaître si on est Guadeloupe, qui ne veut pas connaître. Il fait connaître les États-Unis comme si c'est États-Unis. De vous parler États-Unis, on pas moun. Donc, il faut que nous retirions complexe ça à la caille, nous, complexe d'infériorité. Les nappes courues, contre qui j'en nappes courues. Entendez, témoignage, demoiselle ça, amis auditeurs, avec mon attention. Très très soutenu. Après, n'a pu mettre un petit commentaire rapide vite sous intervention là. L'elte fin descend avion. N'a pas tendu avec une attention très très soutenue. Témoignage, demoiselle ça, tout bagaille correct, PRR, pour nous faire mounir tendu. Donc, qui a expliqué ça le passé, calamité, misère, souffrance, li, désespoir, pour nous mounir à l'al sans petite li, li quitte petite li, derrière. Donc, je ne j'ai dit, hein, petite là, on bo, li même li, on bo, n'a couru, ça n'a pas les chercher la vie, détruit la vie, li t'a parlé hier. Oui, moi j'ai petit chilien, oui, j'ai petit chilien. Non, l'el grand, même la tourne dans le pays, li, j'ai passeport chilien, et chilien, li, d'ailleurs, li même la tourne dans le pays, l'el vle, l'el 18 ans. Je suis Chili, je suis résident Chili, chérie Doudou. Je fais 4 ans Chili, c'est petit que tu es mon canet 1 an. Ouais, Chili, pour les papiers Chili, c'est très difficile pour les papiers Chili. Mesdames, yo, pour un bon papier, il faut qu'on go travail qui bon contrat, et pour travailler à bon contrat, il faut qu'on ait papier. Il faut qu'on ait papier. Ouais, qui difficulté qui gagne pour nous, les papiers Chili, qui donc, si je suis pas résident, qui jamais fait tourner. Pourquoi ça, vous voulez quitter Chili pour entrer les États-Unis? Parce que Chili, tu as un problème. Chili, pas un autre problème que papier. Chili pas aucun sans reproche moi-même. Pendant ma faire route, comme beaucoup de gens passent au pays que États-Unis, qui peut manquer Chili. Pas vous pays qui bon Chili. Moi qui tel pour papier. Parce que Chili pas vle bay moun yo papier. C'est problème papier nous gagne. Imaginons ou Chili ou gagne 4 ans, ou bon si moun Haïti ou pas 40 ans. Cause ou bagay papier. Ou gagne 4 ans. Il y a moun qui gagne 5 ans Chili qui a souffri de famille qui Haïti ou pas 40 ans. Chérie, je quitte Chili 9 juillet. Je fais 2 mois. Je fais 7 jours en barrage. Rage d'Alien. Rage de Colombie à Panama. Je fais 7 jours en barrage. Je suis là, c'est pour le manier de la rue. Je suis là, 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 là, parce que quelquefois, je suis là, taillé, éveil, Jean, ma cave là, parce que c'est pays malié. Moi-même, le problème, moi, c'est Jean au déporté. Le problème, c'est pas parce que je viens là, parce que je viens dans le pays. Par contre, je me sens plus à l'aise que dans le pays. Même là, il y a problème, parle. Moi-même, moi, c'est pas le problème, moi, c'est parce que c'est Jean au déporté, moi. Jean au déporté, nous. Je vais déporter nous, t'as pris un bon monde sans famille, t'as pris un monde qui pague tête, pas en tête, pas un monde qui a plaidé pour nous. Parce que d'après la loi, pour nous déporter, nous sommes bons dans nos papiers, qui écrit déporter, qui écrit à déporter nous, et pour nous signer, nous pas signer aucun papier, c'est nous qui signer papier. Nous ne passons pas, non, mais nous, je ne pas venir, mais nous, non, 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 et pour ça là, c'est l'avion, nous mettons nos papiers. Tout ça est illégal, nous ne faisons pas d'illégal. Et après déportation, nous venons lever nous dans la cabane à 11h minuit. Pour faire déportation. Déportation par 7, allez ça. C'est n'importe avion de Vincolano qui peut venir d'abord. Non, Texas, nous sommes en prison. C'est sous frontière Koudni, nous sommes passés. Nous mettons nous en prison, prison Texas, et puis nous mettons nous en avion San Antonio, en zone de Texas, qui est le San Antonio. C'est là où nous sommes en prison. Nous avons fait quoi, c'est un bateau, nous prenons nous. Est-ce que c'est vrai? Comment bateau? C'est un bateau et. Chérie, Texas. Là que vous sortez Mexique, vous traversez pour la rue Acuña, vous traversez Rio, vous allez sous frontière américaine en bon gros pont. Parce que il y a un pont qui sépare Amérique en fait avec Mexico. Qui donc
puisque pour lui-même, de pouvoir passer le droit, c'est pour nous joindre, nous tout faire nous faire ce qu'elle a là, pour nous prendre plus à mettre nous en prison. Mais tellement qu'il y a des haïtiens qui viennent, ça quand vous faites 6 jours, vous faites 5 jours, moi j'ai fait 4 jours. Et de quoi nous pensez à venir? C'est pour frontière à Kounia, ensemble avec les États-Unis. De quoi ça pour exprimer? Donc qui peut te sortir Haïti et qui peut te parler là, à travers là? Obligé de dire qu'il faut me sortir Haïti puisque non, c'est obligé. Non, nous sommes en Donc, je suis habité à Carrefour. Et si mon Carrefour est là, je suis là, je dis mon Carrefour. Donc, ça veut dire pas peur malgré l'insécurité qui vient au niveau Matissa, on va traverser là. Qui ça vous paie, ici, qui ça me paie là encore? Bon, village, moi, on me paie pour me paie pour passer Matissa. Même Matissa, pas bon, quel que soit le gérier, tout le monde qui l'a donné, il y a des gens qui sont ensemble avec moi, oui. Tu vas vivre ça dans mon là, ça sérieux. Ça chérie, c'est sourire, bah nous donne. Ça mieux là. Pardon, sérieux? Depuis que vous citez que vous êtes, plutôt vous êtes tellement raide. Depuis que vous êtes vous êtes aussi mon vous êtes même. C'est un sérieux, nous vous êtes. Normalement, ça, il y aura tout le coucher sur le groupe. Moi, je vais dire que pendant les États-Unis disent lui-même, il a pour lâcher le monde. Pas de plus, madame. Je ne sais pas si vous avez besoin de prison. Parce que là, c'est ça, nous subissons tout côté. Parce que moi-même, je ne suis pas au côté, je ne suis pas pour couler, moi-même, je ne suis pas suivi pour lui. Et vous, ça va passer dans le pays, nous ne sommes pas payés pour lui. Vous comprenez ça, nous sommes là, ils sont avec racistes. Et là, fini tout. Ah, vous n'avez pas de problème, chérie. Vous n'avez pas de problème, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème pour aider nous. C'est pas vrai, pas aider nous. C'est pas vrai, il n'a pas de marché à vous. Merci. Ok. Elle a tout dit. Oui, oui. Donc, je dis, hein. C'est pour nous. Gardez visage nous dans la glace. Nous te dis nous, toilette la plein. Pas de moi même pour nous mettre deux pieds nous sous bouche là, sous bol là. Et ça n'a pas fait. C'est écoute main pour te bourrer. Nous pas besoin de premier monde qui te passe clé d'agé et toile là. Plot là. Premier plot, premier toile qui te bouche là. Toi plot par là, à toile là. Et première, nous pas besoin. Et quand elle a besoin de toilette, ça n'a pas fait. Nous ne pouvons pas aller les voisinages, venir déplacer les toilettes, nous pouvons pour une toilette. Nous ne pouvons pas aller les voisinages. C'est nous-mêmes en dans l'appartement, qui vous mettez gants en main nous, pour nous acheter Clorox, ça va acheter mop, ça va faire de l'eau, ça va faire de l'eau Clorox, pour nous jouer un bon militant pour entrer, pour fourrer main, pour nous retirer la toile là, pour nous déboucher la toilette là. Et je dis, hein, devant la réalité que nous y est, et moi-même, n'était peur les map garder mon yo dans une période cyclonique semble tout traîner puis États-Unis t'a traîner puis pour un cyclone de capacité prend yo pour exterminer honnête et même ça Hitler t'a fait pas aucune différence mais là où est cyclone pas venir j'ai mon Dieu mais si t'es un cyclone passant bas pour en l'eau passer t'es à la ça yo parce que plan yo c'est détruit nous moi après dit encore matin sur radio pour monde qui pas te connaître. Pour moun kap fait chou l'États-Unis yo, pour konzel voye vin la yo, pour esclave de maison voye la yo, vin nan toute institution, et ben pri pa kite pays a fait on pa kita on panago, map di nou sa. Yo te fait Guy Philippe sa, te kon embrasse Guy Philippe. Mais au final, qui a récompensé? C'est pour ça traite sa yo ye. Par la différence entre Ebola, choléra, corona, sida, cancer ak États-Unis. Yo vle di même bagay, c'est dégoudin ak 50 centimes. Et n'ap don bagay matin nous-mêmes, nous agis nous-mêmes et fon wok, getan chita ensemble avec les amis de Bobby de Freeport qui gen nan tête li ingénieur Charles Benoît. N'a parce que grand pile moun ki pral fol, grand pile ki pral fou nan moun sa yo. Ou y a parlé ou senti ça nan yo. Et dame ça et des dame Kafoua et rejoignent nous sous boulevard là demain et probablement ka invité nous dans journal là. N'a pas la vie ou en l'autre sens. N'a pas la vie ou goût.
mais nous souhaitons autorité yo va avoir possibilité de circuler dans pays pour pas kidnapper parce qu'il y a kidnapper marchand pistache, marchand zaboka, marchand fritay et c'est une raison que fait n'a courir, j'en a courir. Donc nous avons parlé avec zami nous et c'est moun pa nous ingénieur Normil dans office national cadastre, nous savons tout zami dans cadastre et cap ba un moyen pour capable bon espoir chaque mois et puis nous même nous pas changer la vie ou, et fondation nous avons entendu nous pour nous bon corps pour virer mais on pour dégager au virer mais on et donc la vie pas finie, la vie continue et ça crie volant et pas où seulement arriver l'arrivée drapeau pays à l'arrivée soi-disant dirigeant nous yo l'arrivée premier ministre là l'arrivée directeur la police nationale là même quand il y a petite parle à l'étranger mais image ça pas qu'à faire petite parle ou bien parce que c'est haïtien l'arrivée ministre yo l'arrivée toute conze blanc voyé là mettez l'arrivée madame la lim qui était bat bravo pour gang qui met tête ensemble chaque fois qu'on fatra qu'embarrasse l'autre bois vous voyez comme ambassadeur ici il y a plus milieu nous longtemps il y a plus milieu nous longtemps donc prends courage nous à deux bras tout le monde qui connaît dame Sarah Kafou et Felvin joindre nous demain dans radio pour nous commencer bal la ville l'autre sens, on l'autre témoignage, zami auditeur avant Périnel. C'est Amérique qui a choisi comme ça, Marou. Amérique, c'est plus gros l'église haïtien. Parce que, pour voir le parcours, nous faire des amis, pour sortir de Brésil, nous passons 11 pays. Et Colombie, ça, autant de là. C'est un bagage, nous sortir, nous demandons de nous faire passer là. Parce que, c'est un remords à passer, c'est un danger simplement à passer. Les nous vivons, nous avons un petit pas. Il y a fait à même. Montre depuis mardi, Américains vont bien faire même, nos côtés, ils ont fait même nos champs frises. Nous connaissons des chasseurs, nous connaissons des papiers, bagages qui clairent, ils font des sous gâteaux, c'est lui au bon moment pour nous couper. Chambre là, ou bagages doivent sortir là-dedans. Ou côté bosse, ou côté parfum, ils prennent tout, ou côté rad, m'acheter belle rad homme. Je prends tout le GTO, je ne sais pas si c'est GTO, parce que le peuple ça a son peuple qui voit mes méchants. Je ne parle pas de droit. Attention, je ne parle pas de droit pour brosser mes amis. Je paye qui dit c'est lui qui a une puissance. Je ne sais pas qui veut faire la loi dans le monde là. Je ne parle pas de droit même pour brosser mes amis qui ont fait un crime. Je ne sais pas si les gens sont illégaux dans le pays, si c'est un crime, je fais, je dois prendre une punition. Je fais 6 jours, jamais payé, jamais brossé. Jamais baigné, jamais brossé. Je ne vais pas dire un peu l'enfant ici. Qu'est-ce que vous prenez? Bon, vous prenez au Texas. Texas, là, c'est actuellement là, c'est Texas qui est frontière ouverte. Vous prenez au Texas. Mais vraiment, bah, là, vraiment compliqué. Notamment deux responsables, nous, qui disent, avec ses amis, pour ne pas faire par la guerre, parce que si nous venons avec mes amis, nous n'avons pas un cochon. Même cochon, il sent trop fort. Il vient aussi de l'eau, après, même s'il retourne vers là-dedans encore, dans la boîte, mais il vient aussi de l'eau, il tient de la bouche. Donc, quel est ce que ça vous dit, nous passer à cet exercice, nous passer lui ou bien bon, c'est dans la prison Texas, nous passer. Dans la prison Texas. Texas. Qui peut nous sortir? Chili ou bien Brésil? Nous sortir Brésil. Et Brésil, nous prenons. Je fais un ticket machine pour Bolivie. De Bolivie, on voit pour Pérou. Tandis que les États-Unis font 6 jours la Kaili sans possédant. Pas même un petit matelas pour coucher. Mon petit bébé. Dame qui vient là, demain vient dans sa chair pour nous, c'est ça que comme souvenir. Il y a un rat, il y a tout le monde, il y a un rat, yo va bay rien vin avec ti souvenir ou kon ti sachet lo al nan fèt yo viol le pegato baoua yo bay youn pou le coucher avec petit li pou le coucher avec petit li non chanm ki ou même kon mete le di le lever yo pa ka manye kòr yo tellement glacé yo fè tentative pou te tuer en bas pou moi yo pa mouri y a l'ouest yo ta tuer yo nan chanm fòd la yo pa mouri comme haïtien gen résistance et pou solider avò frèm. Je songe que je fais un bon petit temps aux États-Unis et puis je casse tête tourner dans le pays. Je me casse tête là, je salue Clac Pierre dans Radio Galaxy International dans Homestead, Florida, qui a fait une petite pièce pour moi. Je dis le frère, je vais tourner la caille. Je dis que je vais tourner la caille, je ne regrette pas. Je présente excuse-moi à deux petites gens aux États-Unis. Quel que soit ça que je fais aux États-Unis, je ne vais pas compter là-dedans. Je ne vais pas venir assister.
Nous avons Schengen, nous avons l'autre moyen. Je visite l'autre pays, sauf les États-Unis. En signe de solidarité à ce qui passe. Et je dis, famille, quelles sont les maladies que je prends et fais. Et je demande, bon Dieu, la vie. Conserver, me protéger pour ne pas faire maladie, c'est les États-Unis pour traiter. Si c'est les États-Unis pour traiter, je vais mourir. Et je fais choix ça désormais, je dis. En fonction de ce qui passe. Et pour manifester colère, frustration et indignation. Je ne peux pas passeport, je ne peux pas éliminer passeport, même bien l'autre la différence parce que il y a l'autre qui est sous lui. Mais côté comme ça, non, vie pas, je ne peux pas chambre là. Et nous connaissons alors un moment qui est vraiment triste, et ça qui n'est pas d'attendre, et pas d'avoir tout à fait, il reste dans l'autre pays, et oui, tu es là, car tu es là, comment ça se fait, comment ça y est. On sent vraiment un problème parce que pas de pouvoir aller vivre. Parce que je suis parce que le pays ici, on m'a arrivé pour les tabatoula pour jouer les Texas. Les Texas, malgré les militaires qui nous prennent, nous consommons les Ségués, car vous voyez, les Ségués, mon qui passe déjà. On y allait nous élever, mettez-nous au côté sans manger, sans presser. On y allait nous finalement, ma fille allait nous élever. C'est déportation que nous avons. Dans l'espace et l'IOT, mettez-nous en, et nous perdons comme il nous a. Moi-même, c'est environ 5 jours. 5 jours, comment nous sommes dans le pays. Oui, c'est à part de moi-même, c'est tout. Ma conduite, nous sommes dans le même, mais le site, il n'y a pas où, ma désordre, on va pas manger. Pierre R. Guerrier, je suis haïtien, fier de l'être. De la plante des pieds à la racine des cheveux, en signe de solidarité avec humiliation, ça, Yubaye, avec des milliers de compatriotes haïtiens, moi-même, Robert Céline, désormais, je choisis pour ne pas jamais mettre pied encore aux États-Unis. Merci, continue. Et il y a deux croix hein, pour nous inviter, haïtiens et aux populations, faire solidarité à compatriotes qui retrouvent dans le pays. Hein. Et ça qui grave dans le cas en pile dans yo qui t'a vivre depuis 5 à 6 ans soit dans le pays Chili ou bien dans le pays Brésil et yo gen ti moun qui fait l'autre bois qui déporté qui trouvé yo dans le pays depuis week-end nan, qui pas connaît qui route pour yo fait et en plus yo plein pour accueil autorité yo. Donc au niveau de ONM nous apprenons yo ta recevoir 1500 gouttes bien que gen information qui parlait de 10 000 gouttes chaque mois. $300 Nous avons espéré parler tout à l'heure avec le directeur général ONM pour plus de détails concernant l'agence. Il y a des gens qui rentrent, mais il faut rappeler depuis dimanche, guerrier Bob C, américain, ont déporté presque 400 compatriotes. Ils ont été interceptés en Hong Kong, dans le pays, dans Texas, aux États-Unis. Après presque 2 mois, ils ont fait marcher sur le Brésil, le Chili pour arriver côté eux. Et là, ils ont environ 14 000 migrants brésiliens. Chiliens, Vénézuéliens, Haïtiens, mais migrants haïtiens, et surtout plein pour traitement yobayo par rapport à l'autre nationalité. En tout cas, image n'a pas gardé sur les réseaux sociaux depuis week-end, nan, choquant en pile. À part de notre solidarité, primature, nous pas vraiment senti solidarité ça à bon côté. L'État et Mounio plein j'en nous dit pour accueil aux jeunes sous place. Qui recours, compatriotes, ça yo, guerrier, qui genre, organisation qui a défendu droit migré, ou t'as capable d'aider, nous prêts à regarder ça à qui ont avocat immigration aux États-Unis. Mm-hmm. Oui. C'est Friendly et Julien qui est ensemble avec nous. Friendly, et bonjour. Bonsoir, guerrier. Bonjour. Bonjour, guerrier. Bonjour à tout le panel là. Je salue tout le monde qui a écouté Caraïbes Matin. Mm-hmm. Oui, Pierre-Onel Madé qui recourt, citoyen Sayo, nous-mêmes dans Vimando. Comment nous avons considéré la situation Moun Sayo par rapport à la loi américaine, les citoyens qui sortent Chili, Brésil, et y a de l'autre nationalité également là-dedans, puisque ce n'est pas ici seulement, mais qui trouvent Texas, donc nous a dit. En bas comme ça, sous territoire américain, et que ils arrivaient déportés quand même. Alors, pour moi, pour me dire, c'est que ça qui a passé là, c'est un bail qui est complètement inacceptable, qui fait dans tout la loi. Ok, la loi pas permettre gouvernement et administration Biden de faire ça l'affaire. Faut m'expliquer exactement ça qui a passé. Et nous songer sous administration Trump a des politiques très racistes, côté que M. Tap essayé d'empêcher mon noir avec hispanique rentrer aux États-Unis. Dans ça, le 20 mars 2020,
monsieur rencontré avec et monsieur mandé CDC qui c'est Center for Disease Control, c'est centre qui contrôle affaire maladie aux États-Unis, les dit CDC pour sortir une décision qui dit que si il y a un groupe monde qui représente une menace à cause d'une maladie contagieuse, yo ka empêcher moun sa yo rentrer aux États-Unis. Le décision ça a été pris, même scientifique qui en dans ces décisions dit que décision a pas acceptable pour plusieurs raisons. Premièrement, li pas légal. Deuxièmement, li pa gen ken effet vraiment sou protéger moun en dans pays, ça dit que c'est un bail qui purement raciste. Donc le Biden monté, tout le monde te pensait que Baïsa n'a pas pu utiliser encore. On voit que Biden a pu utiliser Baïsa sans aucune gêne. Donc, dans ce sens, nous très choqués nous-mêmes, avocats, dans la communauté, pour nous voir que Biden a appliqué une politique comme ça majoritairement contre Haïtiens et une politique que tout le monde connaît qui n'est pas légale. Parce que la loi est très claire sur ça. La loi dit comme ça que si aucun BO à moins de 100 miles, vous connaissez aux États-Unis, c'est pas kilomètre, c'est miles que j'ai utilisé, ou cas sujet à sa relé expedited removal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous supposez bon droit pour un agent et de nan bureau asile, et agent ça font interview avec vous, côté que agent a déterminé est-ce que vous avez une peur crédible pour retourner dans le pays ou, et si vous déterminez que vous avez une peur crédible pour retourner dans le pays ou, faut qu'il rentre aux États-Unis pour avoir une opportunité pour appliquer pour asile politique. Maintenant, ça qui est plus grave dans la question, hein, c'est que ça qui a fait là, il y a des gens qui parlent de déportation. Ce n'est pas déportation, yo, yé. Déportation sont pas illégales que lié, qui arrivent à la fin de la procédure légale. Ça qui a passé là, c'est expulsion sommaire que lié. Donc, dans ce sens, ça, pour répondre à la question de recours là, hier, et association avocat haïtien dans différents états nous te gon réunion et côté que nous décidé nous pral attaquer décision ça sur plusieurs niveaux. Premier niveau a, c'est et procès, c'est-à-dire que nous pral attaquer gouvernement justice. Deuxième niveau a, c'est représentation, nous pral et déplacer gain et monde qui pral ouais monde yo pour éduquer sous droit yo. Et troisième niveau a, tout c'est opinion publique, parce que et nous pas qu'à passer tout temps nous à critiquer Trump. Et puis jodi a la pour que administration Biden nan tout bon wèy image yo y a traité compatriotes nou yo j'a y a traité yo la et puis pour nous casser faire couvrir ça, c'est à dire que nous pas qu'à prendre ça, ça c'est plus gros affront, y en a plus gros affront que me connaît que communauté haïtienne nan subi et à l'étranger. Et qui ça qu'a fait, qui ça qu'a fait tout pour moun sa yo qui yo même déjà trouvé sur le territoire haïtien, peut-être. Oui, dégâts faits déjà. Est-ce que là, réparation, c'est peut-être pour monde qui a des chances de rester sur le territoire? Non, il y a plusieurs bails qui passent. Premièrement, il faut connaître que et la loi permet de recours que certains personnes qui ont déporté, ils ont retourné aux États-Unis. Okay? Maintenant, on connaît et en termes logistiques, c'est un peu compliqué, mais la loi tout, aux États-Unis permet que leur expulse son monde dans mauvaises conditions, monde ça capable de retourner. Mais deuxième bail pour qu'on ait tous, c'est que yo expulsé environ 400 monde là, mais ou gain environ 14 000 sous frontière là. Donc c'est vrai que haïtien et justice qui est. Pardon? Oui, haïtien et l'autre nationalité. 14 000 haïtiens et l'autre nationalité. Oui. Et l'autre nationalité. Et ou gain monde dans route tout. Ouais, ça veut dire que d'après ça, nous comprenons qu'il y a environ 20 000 monde qui sont dans route tout. Vous comprenez? Donc, l'important que nous concentrions sur les gens qui sont en détention et les gens qui sont en bas pour que nous assurions que ça va passer, à pas continuer à passer et que la justice, même parce que il y en a pour les gens qui peuvent arriver, l'administration doit excuser à peu près ici. Hein, parce que ça crée la même chose à comprendre les mêmes. C'est-à-dire que dans la communauté haïtienne, il y a des gens qui ne parlent pas avec elle, les gens qui prennent la cabane. C'est-à-dire que des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, bon, par exemple, bon chef de police,
américain qui est les miens qui dit qui ça pas pour faire. C'est-à-dire que ils ont tellement choqué eux-mêmes que ils ont décidé de dire que quelque chose ça n'a fait à participer là. Donc on parle d'un chef de police américain. Il dit que ça a passé là son bagage que aucun monde n'a qu'à justifier, aucun monde n'a qu'à prendre défense administration Biden là, là ça a passé là. Et nous songeons en 1994 le coup d'état militaire contre Aristide là, t'es gay, on vague de haïtiens qui t'a quitté pays et qui t'es prêt canter et ça t'a pral fait américain ou changer politique vis-à-vis Haïti. Est-ce que vous pensez vague ça qui manifestait là li capable porter américain ou à grand l'autre approche sous situation Haïti? Bon, et moi-même, mais qui s'arrivait? États-Unis sont pays de loi relié. Et forme donc, et ça que les gars ont utilisé là, que les Title 42, qui c'est décision à utiliser pour et illégalement pour expulser Mounioa, et le 16 septembre qui s'est passé là, t'es gros équipe monde qui t'a dans le tribunal avec le gouvernement et qui t'a gagné le gouvernement. Alors, qui s'arrivait, yo met ensemble, yo fait ça ou en class action lawsuit, ça veut dire yo procès que c'est un pile monde qui constitue en classe qui est dans la même situation, yo t'es fait contre gouvernement, yo gagne gouvernement, et puis, mais ça t'es gagné, c'est ton bail spécifique. Monde qui gagne Simon, yo pas gagne droit, et c'est ça tribunal a décidé que si on famille gagne Simon Piti avec yo, ou pas gagne droit, et expulse yo. Gouvernement Biden, et ça c'est Biden très gravement parlé là, négligemment des tribunaux là, bah, 14 jours pour yon continuer à faire déportation yo, et expulsion, yo, excusez-moi, pendant que y a regardé est-ce que yon a fait appel de décision et tribunal là, t'es d'accord, donc yon a 14 jours pour yon continuer à faire des autres ça avec monde qui get Simon yo. Maintenant, que ben en gros, un groupe massif de monde qui passe dans la frontière là. Est-ce que le gouvernement doit changer politique pour ça? Je ne connais pas, même connais ça la loi dit. La loi dit que si vous êtes dans le pays, vous rentrez et vous êtes à moins de 100 miles de frontière là, gagner des protections ou supposé passer devant officier côté que vous déterminez est-ce que vous gagnez une peur crédible pour retourner dans le pays. C'est ça la loi dit. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous parler de. Est-ce que si Mounio continue à rentrer, l'administration Biden va en danger? Ça qui est important, c'est que c'est Mounio, c'est traitement que la communauté a pu se voir, Mounsayo, yo gen droit à yon procès équitable, yon procédure équitable, et nous même job nous, c'est pour nous assurer nous que yo, ça la loi prévoit que yo gen, yo recevoir. Voilà. Donc, merci un peu, Friendly Julien. Donc, peut-être n'a pas continué par la voix sur situation ça qui probablement a persisté. Même d'après là, est-ce que ça qu'a fait là, le fait également pour de l'autre citoyen qui est dans la même situation? Ça veut dire, est-ce que yo expulsé l'autre nation yo, même gens avec gens fait là avec haïtiens yo? Oui, dans une certaine mesure, je parle de pour qui ça. Et Title 42, le gars de qui est-ce qu'a présenté la frontière là, c'est qui est? C'est haïtien, c'est africain, et puis c'est monde qui sont dans l'Amérique latine là. Ouais. Et traitement que Trump te baille à Mounsayo, c'était même traitement, que c'est hispanique, que c'est monde noir. Et mais Joe Biden, administration Biden là, rentrer dans la même politique là. Donc l'on pas appliquer même politique là dans même zone dans cette frontière là, monde qui vient dans même zone là, il y a toujours gain presque même traitement. Cependant nous tendez bagaille qui dit que haïtiens yo qui dans détention, yo traité au plus mal que tout l'autre monde. Et nous gain monde sur place qui pral investiguer, et si c'est le cas que nous ka documenter que haïtiens yo traité au plus mal que tout l'autre monde, pral gain conséquences parce que États-Unis sont pays loi, toujours bon juge qui décide rendre justice. On va nous dire que dans information que nous recevons, yo dit que yo traité haïtien au plus mal. Maintenant, répétez que nous documenter ça et que nous exposer ça à la face du monde et que nous exposer ça dans les tribunaux américains. Donc les amis de Denden, yo t'apprendre monde la vie impossible, les amis de Joe, les amis de Biden, chaque jour brûle dans la radio, bagaille va le virer, c'est Biden qui va le venir, misère va le finir, tout la haïtien quoi comme ça yo. Côté monde ça yo. Yo pas ça dit de n'a fait nous. Bon, femme d'un bail, Bob, c'est. Et femme d'un que. Et sous Trump, nous pas été bien traité aux États-Unis. Elle a dit que. Et non, Trump, pour le fait. Ça va changer, il y a une bonne solution. Et ça, Haïtien, vous avez dit. Haïtien, oui.
Mais Mabdo Sacrivé, faut nous toujours faire différence entre le pire et le mal. OK? Avait dit que Jodia nous pensait que ça passait là dans Biden là, Mbakabomati, il semblait couper tête à ça qui était passé dans notre Trump. Mais avec Biden, tu as gagné des bails positifs qui t'est arrivé dans tout. OK? Avec trop pas de gagner de positif. Cependant, au moins trop pas avec nous. Au moins trop pas dans hypocrisie. Non, attendez. Oui, mais attendez. Au moins jodi a m'pa ka cacher ça que ça passé là li tankou yon a pi mauvais bagay qui t'est arrivé non m'pa m'kwè trop t'est arrivé là avec nous. OK, obligé pour les gens hier. OK, cependant mon cap aux États-Unis a dit que climat que nous t'ai contre sous trop plan son climat qui était tel côté que ou marcher dans la rue blanc yo sorti pour attaquer parce que trop t'est tellement